Père Barreau, elle est propre la chambre? Eh ben on va voir ça. Hop, voilà, c'est dégueulasse. Il y en a partout. On doit pouvoir bouffer par terre. Eh bien messieurs, debout là-dedans, vous avez une minute. Dépêchez-vous, on part courir. Dépêchez-vous, une minute. C'est beaucoup trop lent. Puisque vous voulez pas comprendre, on va aller courir toute la nuit. Ça va vous faire enregistrer un peu. Il y a que comme ça que vous comprenez, bande d'abrutis. Perlade, enlevez votre tenue de feu. Pourquoi vous avez le short de sport en dessous de la tenue de feu? Vous allez pénaliser toute la section. Voilà, pour un short de sport sous la tenue de feu, il y a eu un binôme de mort, et le binôme de sécurité est mort aussi. Voilà. Vous allez courir cette nuit, messieurs. Qui était le chef de corps en 1986, Perlade? C'est parti sous la voûte, et plus vite que ça. Le sapeur fait la son. Allez-moi chercher ce putain de mannequin au fond, sinon vous allez prendre des coups de savate dans la gueule. Toute l'après-midi s'il faut. Toute l'après-midi s'il faut. Ce n'est pas parce que vous voyez l'arrivée que vous êtes arrivé. Mettez-vous bien ça dans le crâne. On vous a dit sur Facebook ou je sais quoi, ou je sais quelle connerie, que c'était la branlette, la brigade. Bon, on va aller courir toute la nuit. Comme ça, on va voir si c'est la branlette. Perlade, allez montrer la vue au mannequin, là. Voir quel temps il fait là-haut. Il a envie de voir. Tous les fruitos là, qui rentrent à la brigade pour mettre sapeurs-pompiers de Paris, vous inquiétez pas, on va s'occuper d'eux. Et c'est pas la peine de mettre des conneries sur Facebook, vous êtes surveillés. Que le café noir, il y a ça que vrai. Votre chambre, ça doit être pire qu'une clinique privée, messieurs. Fais la son, tu vas me chercher le mannequin au fond de cette putain de piscine, tout le monde y arrive. Espèce de misère. Et retiens tes larmes parce que je vais t'assommer, toi. Sapeur Barreau, tu sais que si on était dans la jungle, tu serais le premier à te faire bouffer. Mais vu qu'ici on est une grande famille, c'est tes collègues qui vont te porter. Et gaine-toi parce que je vais t'assommer, toi. Très bien, Mathis a cru bon de prendre un café, se croit en colonie de vacances. C'est pas un problème. Vous allez aller dans les fossés, puis cette nuit vous allez dormir avec les DI. Ici vous avez qu'un seul droit, c'est de fermer votre gueule. On n'est pas venu vous chercher, c'est terminé la vie civile, monsieur. Je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris le mot militaire. Ici ça doit être carré cubique, messieurs. Faire le saut, donnez le ton! Ça rimarese, belle amie. Premier jour, même pas rentré dans le fort. Qui c'est que je vois? Mon adjudant Barbiche, qui rigole, mais qui rigole, et qui me dit. Caporal chef, messieurs, c'est pas compliqué, il faut savoir compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4! Messieurs, aujourd'hui, on défile devant le général. Faites-moi trembler les murs, faites-vous péter la veine centrale. Perlade, c'est pas possible, envoyez-le à l'abattoir. Je peux tourner sur moi-même que je perds pas le pas. Gauche, 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 droite, gauche. Vendredi, c'est bien Perlade pour ta planche à main. Sergent Cavon, c'est bien de la merde, oui. Dans 6 mois, il va être blessé, cet abruti. Bien, vu que Perlade, il en a rien à foutre, ce soir, ça va être brancardage. Et bien sûr, Perlade, tu seras sur le brancard. Premier jour, citation du caporal Conolidi. Le militaire, c'est mon bébé. Et ceux qui sortent de cet axe, je le remets dans l'axe à ma manière.